Selon sa leader AAA, ancien sénateur Yuri La Tortue fait qu'on est mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, c'est Ariel Henry qui te voye Cob, qui te voye César dans base bandio pour te déplacer G9 avec divers autres groupes gang encore pour infiltrer et mouvement peuple là pour infiltrer lever campé population en tape fait contre la vie chère, contre et grand goût contre insécurité pour en façon pour Ariel Henry te ca jeune côté pour le passer pour te dire que c'est gang ak nèg ak zam qui t'a fait lever campé ça. Encore une fois, nous comptons avec vous, pas oublier ou sous tvlakayhaiti.com avec même plaisir, nous rejoignons dans deuxième vidéo ça. Pendant que remercier avant même nous entrer plus loin, tous les amis compatriotes nous qui toujours été connectés sur le canal ça, nouveau et ancien abonné nous, nous disons merci le fait que vous faites choix de nous, le fait que vous placez confiance dans nous comme canal qui là pour informer sur l'actualité en Haïti ou à l'étranger 24/24, nous sommes informés. Gen tout ancien sénateur Stephen Benoit qui lui même tout sorti dans silence li et pouvait parler avec Ariel Henry et surtout après ça qui fin passer sous champ de masse là à côté nous et des trois militants et gen moun qui dit c'est militant AAA ou il a tenté démenti question ça que moun qui dit c'est petit Dessalines en tout cas. Eh bien, ancien sénateur Stephen Benoit qui lui-même fait gros déclaration sur dossier ça qui va inviter autant de quant à pour la tortue, il fait qu'on est c'est pas partisan, c'est pas militant AAA qui au même ta prend zeb mettez sous statut papa de Saline, mais c'est plutôt l'autre individu qui au même eh bien a cherché façon pour discréditer parti pouvoir ou bien parti politique AAA. Mesdames et messieurs, que nous parle fort attendez ancien sénateur Yuri La Tortue avec ancien sénateur Stephen Benoit qui vient corriger carrière Ariel Henry. Bonne écoute sous vidéo jusqu'à la fin guys, pas oublier abonner, like, partager, n'a tourner pour une prochaine vidéo. Côté que tu gagnes en dispute et un jeune garçon qui te vient de la même qui va mettre sous statut. Et moi, tu es là et moi, tu reconnais les deux proches d'Haïti en action qui étaient là et qui étaient dans la discussion. Mais jeune garçon qui t'a mis et Zeb là, justement, moi, pas pour reconnaître. Donc, pour ceci, moi, j'ai convoqué deux militants que je connais, qui sont proches d'Haïti en action, qui sont toujours là avec une activité, pour demander une explication. Et comme de fait, ils ont expliqué que j'étais là parce que je pensais que l'environnement, côté de Saline, était trop sale. Ils ont dû nettoyer, l'État a dû faire travail, le ministère intérieur a dû nettoyer, et au même ils ont discuté avec d'autres militants. Ce que nous disons que dans le jour qui consacré et à la naissance de Saline, il n'y a pas de nécessité pour être fait. Mais concernant le monde qui mettait Zeb sous statut, c'est un certain Jean-Baptiste Raymond qui n'est pas membre de Haïti en action, qui n'est pas allié de Haïti en action. Nous avons condamné à cela. Nous avons d'autant plus d'explications pour que nous te comprenions ce qui s'est passé. Quel que soit si membre ou pas membre à l'internation, mais nous condamnons ce qui s'est passé, puisque Dessalines, Papa Nation, dont nous-mêmes nous inspirons de trilogie de Salinienne, pour que c'est une ligne idéologique partie, et la souveraineté militaire, la souveraineté économique et la souveraineté politique. Donc, nous pensons que Atla, qui posait Ali Babon, et que dans la situation, ça a été fort. Premièrement, nous avons un renouvellement de l'éducation civique, mais cependant, nous constatons tout qu'il y a trop d'actions qui arrivent, que nous tolérons, qui fait que aujourd'hui, nous sommes arrivés là, mais sont certains Jean-Baptiste Raymond qui part dans Haïti en action lui-même, qui mettait. Et justement, Zembla sous statut de Saline. Mais il y a plusieurs gens qui réagissent. Par exemple, Michel Duvalier qui réagit contre tout, et Lydie de Bagay. Et vous entendez, nous regardez ça? Bon, pourquoi m'a fait Michel Duvalier honneur? Moi, le venant dans pays, côté que moi, ouest pas pays aillé, à notre hérité de dictature, je n'ai pas aucune réponse pour Michel Duvalier. Je n'ai pas jamais décidé de répondre tout. Pays a. Il était déjà parlé de
Duvalier de sa qualité fait dans le pays. Donc, moi-même, ma pays répondre à ça. Nous sommes à une époque qui était là, et pas très connaître l'employeur, Jean-Jacques Dessalines, par rapport à toute celle-là. Je ne sais pas pour me répondre à ça, puisque je dis à Bagué aucune importance que ma baille. Donc, comme ça, par rapport à ça, Abdi, que le pays a déjà jugé le régime, ça, il a déjà dit que ça a été voté pour lui, ça a été fait. Donc, même Bagué pour me répondre à ça. Qui compte que j'ai sous situation, puisque le gouvernement n'a pas décidé de faire battre, mais ça n'a pas changé en un an, là. Toujours des mouvements de certains côtés, quand même. Et moi, je crois que je dis à ça qui passe, c'est que. Le gouvernement a essayé de jouer sur le temps pour que les cas résolvent un problème qui est profond dans le pays. Le problème là, c'est que il y a des revendications sociales qui depuis longtemps, eh bien, ils ont négligé, qui viennent faire depuis juin peine de bras la rue pour le dire, question de sécurité, la vie chère, question de dollar, question de taux de change, faut être résolu. Ils n'ont pas de modèle. Et au premier ministre, qui lui-même, en plus de ça, les vignes, les doublés brigades. Et quelquefois, elle allait plus loin que ça. Je dis, à, pour résoudre ce problème-là, ils voulaient assimiler le mouvement populaire avec, en question de gang, non pays qui est moitié mounoui, qui n'a une sécurité alimentaire. Alors, si mounoui prend la rue, il n'y a pas les deux gangs. C'est vrai, gang a toujours infiltré le mouvement populaire. Mais le mouvement, lui-même, il gagne une revendication que le voter. Et si il y a un gang qui a absiculé libre et libre, je dis, à, c'est le gouvernement qui tolère, le gouvernement qui est 14 mois au pouvoir. Le gouvernement, il y a une mission, c'est résoudre le problème ça. S'il va résoudre les jours d'hier, et qu'il n'y a pas qu'à l'autre monde responsable, et puis deuxièmement, mes amis. Moi, j'ai une histoire dans cette pointe. Le 14 février 2019, pour Jovenel de répondre à mouvement populaire, vous êtes dans le grain, c'est un élu de 5 millions de gouttes, que moi-même, comme sénateur, j'ai dénoncé. Et l'État, il prend un discours. Pour le dire, je l'ai soumetté à Anel qui est dans la manifestation, ils font discours pour le dénoncer ces questions gang. Je dis à même bagaille, oui, c'est un certain moment qu'il y a des gangs qui viennent infiltrer le mouvement populaire. Parce que, justement, Ariel Henry prend la même méthode là pour résoudre le problème là. Donc je dis à faut pas entrer dans la question du tout. Bon mouvement populaire qui est là parce qu'il y a des revendications sociales, bon gouvernement qui a pas géré et aggravé la situation. Il était arrivé en situation qui fait la limite. Mais la gravelle, insécurité n'a pas de réponse. La vie chère n'a pas de réponse. Production nationale n'a pas de réponse. Taux de change là, la monte la valeur terrain. Donc là, pour nous ne pas parler. Les amis qui payent, vous avez tout le problème là pour le peuple là, la richesse dans la caille. Et puis pour tout le monde répéter, que je veux dire, c'est pas une grande mouvement principal là, t'es gagné. Si je veux dire, Ariel Henry, qui te réunit à 25 nègres secteurs privés, qui te voit qu'une qui n'est pas payé le problème là, qui j'ai dit à, et qui dit que leur vient parler, on y a un nègre sérieux, nous a dit qu'on vient payer comme la moitié 8 milliards. Donc, en réel, qu'on est nègre, il te réunit avec eux. Si j'ai dit à des nègres dans nègres, ils ont fait, et qui sont pas eux, qui en réel, ils ont le problème là avec eux, mais le peuple là lui-même, il légitime dans la revendication. Donc, je dis à eux, parce que la solution qui doit porter à, doit baser, sur le fait que c'est pas une question de faire passer tant qu'il va le graser pour ma boule. Au contraire, vous voyez quelques gens, il y a la bidérie pays, il y a là, et bien dans 3 à 4 mois, vous avez une augmentation de prix gaz encore. Parce que, il n'y a pas maîtrisé la question de change là, il n'y a pas maîtrisé la question de production, il y a des déficits budgétaires, on parle de goût qui parle perdre du valeur encore. Il est goût de la perte du valeur. C'est un élément important pour acheter gaz à 6 dollars. Donc on a besoin de plus de pour acheter dollars, on va le monter là encore. Et puis on va arriver à 800 gouttes, 900 gouttes, 1000 gouttes. Et puis tout le monde va dire, ok, c'est vrai, c'est FMI, c'est tout le monde. Non, je ne vais pas payer comme ça. Moi, je crois que le diable, nous dit, le gouvernement, il y a l'autre source pour le jeune comme, nous avons fait enquête sur franchise, 22 milliards de gouttes. Nous faisons enquête pour passeport, 7,5 milliards de gouttes. Nous faisons enquête sur question de gaspillage et de subvention, 7 milliards de gouttes. Comme on va parler de la douane, nous déjà jeune comme ça. Comme la douane, nous avons joué pour régler les questions institutions de sécurité et questions sociales. Mais là, avec comme ça, nous avons résolu. C'est ça pour nous attaquer. Et puis pour nous mettre en bonne gouvernance, pour pays qui a évolué dans une situation côté, nous devons connaître, nous devons pas gagner tout déficit budgétaire au chaque année. Vous écoutez, sénateur Yuri Latortue, coordinateur Haïti en action, qui t'a parlé d'abord sur question profanation
monument empereur Jean-Jacques Dessalines, papa nation. Ensuite, il était tout profité, fixer position sur situation politique tête chargée à vivre et manifestation qui était faite dans le moment, Anel Joseph, chef gang défunt qui était venu paraître pour infiltrer le mouvement, c'était 13 février 2019. Et les ça, un jour après, 24 ans après, chef l'État époque là, tu prends la parole pour dire que c'était le mouvement gang qui a fait et c'est même méthode ça qui a utilisé et ça fait, dans l'adresse à la nation, PM de facto a utilisé même stratégie qui pour un peu le monde pas capable de passer parce que nous voyons comment ça a fait. Guéri, premier ministre. Le peuple a été droit pour jeter loi pour manifester, pour lui faire l'état de voile, l'écraser, se briser. Et c'est comme ça que la balade a commencé depuis 2 semaines ou depuis 3 semaines à travers toute grande ville de l'IA. Côté peuple a dit autant, le régime criminel a fait trop. Il n'y a pas qu'à inquiéter encore. Et même m'encourager pour continuer, l'on peut faire au mal. Constitution pays, nous avons le droit pour manifester pacifiquement pour tuer l'État. Autant, je ne suis pas capable encore. Maintenant, gagner des oligarques qui voient que révolte, la révolution que peut attendre depuis longtemps, changement réel que l'attendre depuis 45 ans dans le pays, à peine, l'on met des gagnants de l'eau où j'ai toujours fait les besoins. Le mettre contre l'eau, le mettre gagne de l'eau, pour infiltrer, pour garder sa peuple à faire, pour garder l'éducation de peuple. Mais personne n'est pas imbécile, tout le monde est en bas. Sur question gagnant, nous sommes internationaux, les États-Unis, Nations Unies à travers le secrétaire général, il fait même une déclaration, il fait le ministre de la il dit que c'est gang qui est dans la rue, qui est supporté dans le secteur économique. Bon, on ne peut pas y coordonner pour elle. Ou est-ce que Ariel Henry finit par parler parce que je dis, mais ça vous le dit, parce que pas bien le souci, mais pas qu'à cette décision pour qu'on lui ait patron. Et nous connaissons qui est patron, c'est oligarque avec ou franche dans l'international là. Ou est-ce qu'Henry finit par parler, je pas nos leçons pour réciter. Et moun qui t'a écrit leçon pour lui, moun n'a récité leçon en tout, et moun n'a vu leçon. Et c'est monsieur, ou est-ce que monsieur Ron Galef avec monsieur Gutiérrez. Et puis devant, ou parle avec l'autre moun, quoi qu'il parle, dit même parole là. Mais nous-mêmes, si notre pays a une situation, nous connaissons, ça a fait, il y a fait d'ailleurs depuis 10 ans. C'est une déclaration qui vient marcher des mouvements, puisque je dis, il y a le marketing des activités, ou des activités, qui a fait un peu partout dans le pays. Essayer et de faire le cabal de par contre, pour les professeurs, comme les là, c'est qu'il y a qui a déjà passé dans le journal. Mais, oui, mouvement instantané, j'en ai pas plus, parce que j'aime nous là, mouvement infiltré. Et puis bon du tout, mais maintenant qu'il y a moi maintenant des secteurs privés des affaires là, secteur qui sert, parce que nous connaissons un secteur qui est très mal sain. Secteur qui sert dans le secteur privé, là, et nous marron qui est en pile, marron qui pourcentage, même demandé depuis longtemps. Indignez-vous, moquez colère, ou dites ou pas d'accord, parce que l'on n'a pas dit rien ou d'accord. Et me disons, il va coûter rien pour nous camper en grève générale, pour nous fermer toute banque, tout business, restaurant, maison de transfert, supermarché. Pour le camper, c'est pas pour ça que vous êtes fermé, mais pour le camper, pour le vide gouvernement, ça tout, mal gérer le pays, le peuple n'est pas capable de croire, et il dit, bon, que le monde s'arrête, c'est parce que vous êtes plusieurs, et c'est besoin de ça ensuite. Si vous croyez que vous perdez du temps de pousser même, là, on va pousser l'autre semaine, parce que de toute façon, vous avez pour vendre un monde qui n'est pas capable de sortir de l'achetel, l'autre de l'achetel, quand même, apporte quelques produits périssables, quand vous payez les crimes, etc. Vous avez dit, donc là, encore une fois, mobilisez-vous, si vous coupez mal, vous avez le droit de manifester. Mais tant pis, pas bouler l'école, c'est l'école ici, tout, je n'ai pas acheté à l'étranger, demain matin, on ne peut pas aller déjà. L'école où bouler, c'est l'école ici, tout, que l'État, il s'est pas obligé de reconstruire. Pas bouger business, moun qui est pour là, moun qui fait 20-30 ans pour le construire business, violence pas mené dans aucun côté. L'autre classifie comme message, l'autre pays, tout le monde dirige le problème, international la comprenne, tout le monde comprenne que nous avons bout. Continuez à dire que nous avons bout sans violence, Miller, sans violence, parce que même pas. Pas manquer, mais après violence, je ne vais pas venir dans le du tout, parce que les violences, c'est toujours pire faible, qui mourit, qui bouge, qui paye pour ça. C'était déclaration ancien sénateur Steven Benoit, qui est premier ministre qui désignait dans l'accord Montana, qui dénonçait.